Unissons-nous par la prière ce matin pour accompagner et donner le courage à deux jeunes d'une famille de Franco-Cité qui ont perdu leur papa dû à la COVID cette semaine. Prions ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Tu nous donnes et nous demandes qu'une seule chose, de te faire confiance, de croire en toi, de t'aimer sans condition, comme un Père que tu es. Ça, c'est notre espérance. Tu nous as donné la vie, sachant qu'à tout moment, tu pouvais venir la chercher. Par le baptême, Seigneur, tu nous invites à prendre le pas de Jésus qui est mort pour nous sauver et qui nous a fait une promesse en ton nom, celle de nous donner la vie en abondance, la vie éternelle. Aujourd'hui, Seigneur, Jésus, nous savons encore plus que nous avons besoin de cette promesse, de cette espérance chrétienne en ta vie éternelle. À cette famille éprouvée et à toutes les personnes qui ont vécu des choses similaires, vous avez le droit d'être en colère et triste. Vous avez le droit de traiter le virus de saleté de COVID-19. Vous avez le droit de pleurer, car tout cela, nous le faisons aussi. Et Dieu nous console et nous rassure. Nous avons vécu la Pentecôte ce dimanche, ultime promesse et présence de l'Esprit-Saint qui nous a été donnée par Jésus à la résurrection. Sachant garder la foi, nous ne serons plus jamais seuls. Que Dieu nous bénisse ainsi que toutes les personnes affligées par le décès d'un proche par la COVID-19. En toute espérance, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est, Samuel Ariane Crispin, savez-vous c'est quoi cette annonce? C'est un gala! Si, à Samuel Genet? Oui, c'est pour ça qu'on appelle les Samis. Mais c'est quoi un gala? Un gala, c'est un cérémon de prix et les prix seront lus fort. Il y a aussi plusieurs trophées qui seront distribués. Donc, c'est quoi la prochaine étape avec les Samis? C'est très simple, c'est l'étape des nominations. Et pour que les nominations puissent se faire, vous devez pouvoir connaître les catégories, non? Donc, les voici! Et maintenant, vous vous demandez, comment est-ce qu'on va voter? Donc, le GDE va vous envoyer un Google Form dans vos classes de niveau et vous pouvez voter de cette manière. Moi, est-ce que je peux avoir un trophée? Bien sûr que oui, mais il faudra que tu sois nominé pour avoir la chance d'être voté. Est-ce que c'est exclusivement pour les élèves? On ne pouvait quand même pas oublier nos enseignants.
On aura donc la chance de les nominer pour 3 catégories. Wow! Quelles sont les catégories? Avez-vous entendu cela? Voici votre invitation. On espère que vous serez au rendez-vous